Alors, je m'appelle Pierre Leher, je suis spécialisé maladies digestives, plus spécialement en cancérologie, et je travaille à mi-temps à l'hôpital Bel Air et à mi-temps à l'Institut de cancérologie de Lorraine à Nancy. Le message à passer, c'est qu'il est possible de faire un diagnostic précoce du cancer du côlon. Et diagnostic précoce du cancer du côlon, ça rime avec traitement efficace, avec une agression bien moindre. Et c'est d'autant plus d'actualité qu'un nouveau test est arrivé qui est plus sensible et qui nous permet de détecter plus de polypes et plus de cancers du gros intestin. Donc vous allez en détecter plus de malades aujourd'hui? Ah oui, oui. Oui, là, on est déjà en Moselle, on a commencé le dépistage en 2004. On faisait partie des départements pilotes. On doit être de l'ordre de 750 cancers du côlon dépistés par cette méthode. Et là, on a un nouveau test et manifestement, les premiers retours, ça fait depuis mai que ça fonctionne et on trouve plus de polypes et plus de cancers, toujours à un stade précoce. Mais ça permet finalement de mieux les traiter. Alors, le pronostic, il est étroitement lié au stade du cancer au moment du diagnostic. Vraiment étroitement lié et on a des moyens d'être très efficaces pour ce traitement. Donc, on découvre maintenant aussi souvent des tout petits cancers sur le polype. Et presque 20% de ces cancers, donc détectés par le dépistage, peuvent être traités, guéris, sans opération, en enlevant le polype. Attention, il s'agit de règles très strictes. Si l'envahissement est trop important sur le polype, il faudra quand même enlever une partie de l'intestin. Mais dans 20% des cas, le traitement se résume à enlever le polype. Ensuite, si on trouve, même s'il faut enlever une partie de l'intestin, si les ganglions ne sont pas envahis, ça nous permet de traiter sans chimiothérapie pour consolider. Donc là aussi, on le voit, un traitement plus efficace avec moins d'agression pour le patient. Très clairement, à peu près presque 4% de la population, une fois qu'elle aura atteint 75 ans, aura été concernée par le cancer du côlon et du rectum. Mais ça apparaît surtout à partir de l'âge de 55 ans, on va dire que ça justifie le dépistage à partir de l'âge de 50 ans et on le prolonge jusqu'à 75 ans. Non plus qu'après 75 ans, il n'y ait plus de risque, mais c'est plus adapté au cas par cas, ne serait-ce déjà que parce qu'au-delà de 75 ans, la population a moins tendance à participer, mais son médecin pourra toujours proposer un dépistage par test au-delà de 75 ans. Alors ce que j'ai découvert également, c'est que c'est aussi bien les hommes que les femmes qui sont touchés. Oui, absolument, absolument. C'est à peu près un ratio égal. Peut-être un petit peu plus de gravité chez l'homme, mais en gros, ratio égal. Alors préventivement, bien sûr, il y a le test, mais avant, il y a des consignes de consommation plus saine. Il y a des consignes? Oui, alors c'est quand même une relation moins étroite, par exemple, que pour le cancer du poumon et le tabac, où on multiplie par 100, où c'est vraiment fondamental. Même chose au niveau de la gorge, où il y a une relation alcool-tabac fondamentale énorme. Cette relation est moins étroite. Le coefficient multiplicateur de risque est plus de l'ordre de 1,3 pour l'alcool et le tabac, mais il existe. Ensuite, il y a l'alimentation, on en parle depuis longtemps. L'alimentation, une alimentation, malheureusement dans l'Est de la France, c'est pas tellement l'alimentation méditerranéenne, mais c'est la même alimentation pour prévenir un peu les problèmes cardiovasculaires. Donc elle est conseillée à plusieurs titres, riche en fruits et légumes, plus limitée, pas les viandes rouges absentes, mais limiter quand même l'apport de viande rouge, limiter l'apport de graisse. Et enfin, quelque chose qui a été mis plus clairement à jour ces derniers temps, le surpoids et le manque d'activité physique peuvent conduire un peu plus facilement au cancer. Enfin, encore une fois, ce n'est pas aussi étroitement lié que tabac et poumons, hein. Alors, on me parlait aussi de consommer davantage d'eau. Alors, je pense pas que... Non, je n'ai pas lu spécialement ça, non. Non. Mais il faut bien boire d'une façon générale pour ménager son rein. Ça beaucoup, mais sur le plan du cancer, je pense pas spécialement, en tout cas pas pour le colorectal. Il y a des demandes particulières là, dans les visites des gens, des attentes ou des informations particulières qu'ils peuvent avoir? On nous pose beaucoup de questions très précises sur le traitement. La coloscopie fait un petit peu peur aussi, donc il faut rappeler qu'elle est réalisée sous anesthésie générale. On ne la banalise pas complètement non plus, et c'est ce qui justifie en France un dépistage en deux temps avec une sélection par le test de recherche de sang dans les selles, et on réserve la coloscopie à ceux qui ont un test positif. Je rappelle aussi, ça c'est fondamental, faire donc le test, c'est augmenter ses chances, hein, la
baisse de mortalité a été prouvée par cancer colorectal pour les gens qui s'astreignent au test. Par contre, il ne faut pas confondre. C'est pour ça qu'on demande de voir le médecin généraliste avant, qui orientera les gens. Tout le monde ne doit pas aller vers le test. Si vous avez des parents du premier degré qui ont eu un cancer du côlon ou même des polypes avant l'âge de 65 ans, par exemple, le test, c'est pas suffisant. Il faut aller directement à la coloscopie. Si vous avez des symptômes, a priori du sang, oui, là, il ne faut pas faire le test, puisque le test, ça sert à rechercher du sang. Si vous en avez déjà, non, c'est la coloscopie directement, surtout si vous avez plus de 40 ans. Et après, c'est des traitements lourds et compliqués si on est atteint, on détecte des polypes. Encore une fois, non, c'est pas un traitement lourd et compliqué. Si on trouve un polype, ça veut juste dire une forme. Ça veut dire une grosseur de chair, un repli muqueux sur la muqueuse du côlon. Après, on va l'enlever. Le plus souvent, on arrive à l'enlever. Le plus souvent, on arrive à enlever par un geste simple. On met une sorte de lasso métallique autour. On le met en place pendant la coloscopie, donc ce n'est pas une intervention où on ouvre le ventre. Et on le cravate et on va l'enlever comme avec un bistouri électrique. On passe un peu de courant dans le fil métallique et ça coupe en même temps que ça cautérise. Il faut s'efforcer de récupérer le polype pour son analyse. Et c'est l'analyse qui nous précisera le niveau de risque pour plus tard, ou même pour le présent. Bonjour madame, qui êtes-vous ? Je suis Véronique Keller, je suis infirmière à la Modemas. Alors le nouveau test de dépistage est le test immunologique, qui est un test qui est arrivé et qui est plus fiable, plus pratique aussi, parce que c'est sur un seul prélèvement, une seule selle, à contrario avec l'ancien qui nécessitait 6 prélèvements. Alors le dépistage organisé est réservé et conseillé aux personnes entre 50 et 74 ans parce que c'est dans cette tranche d'âge-là que le risque est le plus important de développer un cancer colorectal. Alors, le test en lui-même, l'usager, comment peut-il justement accéder à ces tests ? Alors, le test, à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, toutes les personnes, hommes et femmes, reçoivent un courrier de la Modemas qui va les inviter à aller chez leur médecin traitant pour retirer le test. On veut que les personnes aillent chez le médecin traitant parce que c'est le médecin traitant qui va estimer à quel niveau de risque les personnes sont. Donc si elles sont à risque moyen, c'est-à-dire sans antécédents familiaux, sans symptômes, et sans maladie de Crohn ou maladie inflammatoire du côlon, dans ce cas-là, c'est le test qui leur sera remis. Si les personnes ont des antécédents familiaux ou personnels de cancer colorectal ou des symptômes, dans ce cas-là, le médecin, en général, prescrira une coloscopie d'emblée. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est détecté dans les... C'est une détection dans les selles. Alors, qu'est-ce qui est détecté et comment ça se passe ? Alors, en fait, on va rechercher du sang dans les selles. Hein. C'est un test de recherche de sang dans les selles. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, le cancer colorectal démarre à partir, dans 80% des cas, à partir d'un polype qui dégénère. Et ce polype, en grossissant, il va y avoir beaucoup de vaisseaux sanguins. Et il va saigner à un moment donné, mais c'est du sang qu'on ne verra pas à l'œil nu, invisible. Et c'est ce test qui permet de rechercher ce sang invisible à l'œil nu. Docteur Guerbaz, GUERBAZ, médecin coordonnateur à la Modemas. La Modemas, c'est l'association mosellane pour le dépistage des maladies cancéreuses et c'est la structure en charge des dépistages dans le département de la Moselle. Donc on envoie des courriers d'invitation aux personnes de 50 à 74 ans afin qu'ils puissent effectuer leur dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal. Là aujourd'hui c'est le colon tour, mais il y a une mise en avant plus importante pour le mois de mars. On appelle ça Mars Bleu, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc on a mis en place cette structure gonflable qui représente une partie du côlon aujourd'hui pour sensibiliser les personnes en amont du mois de mars. Donc c'est la campagne Mars Bleu pour sensibiliser les personnes au dépistage du cancer colorectal, leur expliquer ce que c'est ce cancer. Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est encore un sujet tabou. Les gens ont du mal à en parler. On ne comprend pas tout à fait la fonction de cet organe et comment est-ce qu'on arrive à un stade de cancer colorectal. Alors
La première question, c'est quoi le côlon? C'est peut-être une question toute bête, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir. Alors, le côlon, c'est la partie distale de l'intestin, c'est la partie terminale, qui a comme fonction essentielle le stockage des matières fécales, la réabsorption de l'eau. Et à ce niveau-là, on va voir apparaître à partir de l'âge de 50 ans des lésions qu'on appelle des polypes. Ces lésions, quand elles sont dites adénomes avancées, vont évoluer vers un cancer. Et le principal souci à ce moment-là, c'est que si on ne dépiste pas suffisamment tôt, on peut laisser évoluer vers un stade de cancer colorectal. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même de dépister avant ou vraiment à un état très latent de ce cancer. Tout à fait. Alors l'objectif avec le test de dépistage, qui est en fait un test de recherche de sang dans les selles, c'est d'aller rechercher ces lésions, rechercher le saignement. Lorsque le saignement est là, c'est-à-dire que lorsque le test est positif, donc on a un test positif dans 5% des cas, il faudra effectuer une coloscopie. Et c'est la coloscopie qui va aller rechercher ces lésions et également pouvoir les enlever. Alors le cancer colorectal, il faut savoir que c'est la deuxième cause de mortalité en France par cancer. Donc c'est un cancer qui est très fréquent, c'est également un cancer qui est très grave, autant chez les hommes que chez les femmes. Et au jour d'aujourd'hui, on a seulement un Français sur trois qui se fait dépister, donc ce qui est très très peu. Avec un dépistage précoce, effectivement, on arrive à enlever des lésions à un stade précancéreux. On arrive même parfois à guérir du cancer, et cela dans 90% des cas. Alors je vous propose de faire cette visite. Donc il y a une entrée de ce stand. Voilà, donc là c'est la structure gonflable, c'est un outil ludique qui permet de briser le tabou autour de la question du cancer colorectal. Donc là on a la paroi interne du côlon qui est lisse, et à partir de l'âge de 50 ans on peut voir apparaître ces petites lésions qu'on appelle des polypes. Alors c'est lié uniquement à l'âge finalement? C'est lié essentiellement à l'âge, à d'autres facteurs qu'on ne maîtrise pas encore parfaitement, notamment l'alimentation, l'excès de consommation des viandes rouges, des viandes transformées, et puis le manque d'activité physique, mais c'est essentiellement l'âge. Donc voilà, ça c'est des petits polypes qui vont évoluer avec le temps, donc ça prend à peu près 8 à 10 ans à peu près pour évoluer vers un stade cancéreux ou évoluer vers des adénomes avancés, ce qu'on va voir plus loin. Avant d'aller un petit peu plus loin, qui est atteint, c'est surtout les hommes? Non, justement, c'est une idée reçue. Les hommes et les femmes sont touchés. C'est un cancer qui est très fréquent chez les deux sexes, à partir de l'âge de 50 ans, encore une fois. On va pouvoir continuer. Alors ici, on observe une lésion donc, qu'on appelle polype et qui pourrait être éventuellement un adénome avancé, un adénome donc qui est précancéreux, donc une lésion précancéreuse, et qui va avec les années dégénérer vers un cancer. Donc ici on observe un cancer. Alors un adénome, ça c'est quoi? Alors un adénome, c'est un polype qui aura dégénéré et qui contient des cellules qu'on appelle villeuses, hein, qui a une taille élevée et qui a une forte dysplasie, donc qui a des cellules cancéreuses. Alors donc à partir du moment où ces polypes sont apparents, le traitement va les faire disparaître? Comment ça va fonctionner si... Alors, on traite? Lorsqu'on est à ce stade-là, le test de dépistage va être positif parce que ces lésions saignent. Donc quand il est positif, on recommande aux personnes de faire une coloscopie, et c'est l'examen de la coloscopie qui va permettre d'observer les lésions et en même temps de les enlever. Donc la coloscopie, c'est un tube qui est muni d'une caméra au bout et qui va permettre d'observer l'intérieur de l'intestin. Donc c'est un examen qui est fait sous anesthésie générale, et quand on retrouve ces lésions, comme je disais, on peut les enlever. Le traitement, vous le disiez tout à l'heure, si c'est pris à temps, le traitement se fait correctement? Si c'est pris à temps, ces lésions peuvent être enlevées au moment de la coloscopie. Donc c'est un moyen thérapeutique comme c'est un moyen diagnostique. Et si on laisse évoluer vers un stade de cancer, là le traitement devient plus lourd, chimiothérapie, on peut être amené à enlever une partie de l'intestin effectivement. Alors pour les enlever, c'est la chirurgie finalement, non? C'est la chirurgie, donc là on parle d'un traitement beaucoup plus lourd, hein, qu'à partir de là c'est vraiment les spécialistes qui entrent en jeu, et nous on essaie justement de ne pas en arriver là et de prévenir, de traiter en amont.
Oui, donc c'est un traitement préventif indispensable. Tout à fait. Donc, le dépistage est un moyen de prévention et qu'il faut bien entendu compléter avec une alimentation saine, modérer sa consommation en viande rouge et puis pratiquer une activité physique.